Bienvenue, chers lecteurs de Batterie Magazine. Nous sommes encore une fois dans les locaux de la MAI pour les carnets de MAI. Cette fois-ci, on va travailler avec mon ami Olivier Bèche, à la basse, un exercice sur le trinaire. Donc, dans le magazine, vous avez les informations qui vont vous aider à comprendre ce qu'on va faire sur la vidéo. N'hésitez pas à vous référer à l'écrit, ça peut vous aider aussi à la compréhension. Donc, le trinaire, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est un terme qu'on utilise un peu entre musiciens. Certains appellent ça des doubles croches ternaires, une interprétation ternaire en double croche, d'accord? Donc, le trinaire, pour comprendre ça, déjà, il faut comprendre la différence entre le binaire et le ternaire. En gros, vous avez un débit de double croche. Si vous prenez un débit de double croche, donc le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vous avez un débit régulier. D'accord ? Là-dedans, vous entendez les croches. C'est tout simple. La différence avec le trinaire par rapport à ça, c'est que les deuxième et quatrième doubles vont devenir ternaires. Donc du coup, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on va avoir une pulsation de shuffle par croche. Donc on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... OK ? Donc les croches restent des croches. Il n'y a que les deuxième et quatrième doubles partants qui deviennent ternaires. Est-ce que ça, c'est clair? Si vous ne connaissez pas le ternaire, il faut déjà commencer par là. Il y a, si vous utilisez ce shuffle, il y a trois possibilités qu'on va voir juste après ça. Pensez à bien faire tourner à la fois les doubles croches et ensuite vous faites le trinaire. Donc ça va donner ça. On entend bien que d'un seul coup, on passe en ternaire. Les deuxième et quatrième doubles, d'un seul coup, vont venir swinger. Donc, pensez à ça, écoutez ça et référez-vous vraiment au fait d'avoir les croches chaque temps qui ne bougent pas. En fait, c'est ni plus ni moins que d'avoir une sorte de shuffle, ce qu'on appelle half-time. Si vous avez un shuffle en faisant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... D'accord ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et que vous avez ensuite votre compte qui, au lieu de compter chaque temps, vous faites 1 et 2 et 3 et 4 et, ben vous avez les doubles croches ternaires, donc le trinaire. 1 et 2 et 3 et 4 et, en retrouvant la caisse claire sur le 2 et sur le 4. C'est exactement la même chose. Donc, pour bien jouer le trinaire, il faut connaître ses placements ternaires. Dans les placements, vous avez dans le magazine les trois mesures qu'on va vous jouer maintenant. Donc, il faut bien les connaître, c'est des placements ternaires. Donc, la première, c'est celle qui est sur le temps. Ensuite, vous avez la troisième du triolet. Et ensuite, ce qu'on appelle le shuffle, première, troisième. Donc, avec Olivier, on va vous jouer ces trois exemples. C'est 1, 2, 3, 4. Dans le magazine, vous avez, juste après, quelques séries de mesures. Ce sont des placements de double croche que tout le monde est censé connaître en double croche. Et donc, le but est d'après en faire l'interprétation en double croche ternaire, en trinaire. D'accord ? Donc on va vous les jouer d'abord une première fois en binaire et ensuite en trinaire avec Olivier. Essayez vraiment de faire très attention à votre placement, jouez-les au métronome. Et si vous avez un pote bassiste, essayez de le faire vraiment aussi en basse-batte. Le but de cet exercice-là, c'est bien qu'on soit tous les deux,
C'est vraiment des choses qu'il faut bosser en groupe aussi. Et vous pouvez le faire avec votre guitariste, avec le clavier, tout ça. Tous ces exercices, le but de le faire en orchestre ou en groupe, etc., c'est toujours une bonne chose. Donc on commence d'abord par le binaire, et ensuite on vous le refait tout de suite après en trinaire. En binaire d'abord. 1, 2, 3, 4. Ok, en trinaire maintenant. 1, 2, 3, 4. Ok, exercice 2 en binaire maintenant. 1, 2, 3, 4. Ok, en trinaire maintenant. 1, 2, 3, 4. Exercice 3 en trinaire maintenant. 1, 2, 3, 4. Et le quatrième exercice en binaire dans un premier temps. Donc là, vous avez des lots de trois notes pour la basse et pour la batterie. Donc on va le faire un petit peu plus lent pour être sûr de bien entendre la différence entre les deux. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, exercice 4, en trinaire. 1, 2, 3, 4. Afin de terminer ce cours, on va prendre un pattern. On va le jouer une fois en binaire, une fois en trinaire.
c'est une musique inspirée de quelque chose que peut-être vous connaissez. Ça montre l'effet que ça donne de pouvoir le penser un petit peu plus swing dans les doubles croches comme ça. Ça a un petit effet peut-être un peu plus groovy, un peu plus soutenu, qui donne envie de bouger un petit peu, quoi. Passez du temps à faire les deux et essayez de bien exploiter les deux. On va vous faire ça d'abord une première fois en binaire et ensuite une dernière fois en trinaire. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'était la version binaire. Maintenant, en trinaire. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, vous avez eu quelques exemples auparavant. N'hésitez pas à trouver les vôtres. Prenez toutes les formules qui existent aussi en double croche, les mettre en trinaire. Le conseil que je peux vous donner, le principal, c'est écouter un maximum de musique. Moi, je sais que, par exemple, Porcaro m'a beaucoup influencé là-dedans, à entendre les choses avec ses tournes. À la limite, on peut considérer que Rosanna pourrait être du trinaire, parce que le fait d'avoir un shuffle en half-time, si on le compte 1 et 2, et au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, comme ça, bah, du coup, on passe à du trinaire. Et Porcaro a beaucoup, beaucoup influencé mon écoute là-dessus. Et après, dans le rap, dans tout ce qui passe à la radio, il y a sûrement des morceaux comme ça. Vous entendez cette petite pulse qui sautille comme ça, ce côté un peu swing. Donc, n'hésitez pas à aller en écouter aussi. Ça peut vous inspirer et vous faire sentir cette pulsation. Donc, bossez-en, dosez-le. Essayez après d'aller chercher d'autres écoutes, comme des trucs de Chris Dave ou des choses comme ça, qui vont vous pouvoir vous aider à voir après le mélange binaire-ternaire, parce qu'aujourd'hui on utilise aussi beaucoup ces mélanges entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne sait plus trop si c'est binaire, si c'est ternaire, parce qu'on joue avec cet effet-là qui casse la régularité. C'est-à-dire qu'il y a le côté théorique et après il y a le côté musical. N'en faites pas quelque chose de scolaire, essayez tout de suite d'en faire quelque chose de musical. Là, on vous a montré des exercices. Mais quand on est en train de jouer, après en groupe, on ne se pose plus la question, on essaye d'avoir des effets, on se regarde, on joue, on vit, il y a certaines choses où le résultat sera différent. Donc voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, vous avez les liens, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, tout ça c'est noté. Si vous voulez nous envoyer des messages, poser des questions, n'hésitez surtout pas. Vous êtes les bienvenus à la MAI aussi pour venir nous voir, pour nous rencontrer et voir éventuellement si vous avez des questions ou même bosser, quoi. Venez à l'école, venez nous voir. Je tiens à remercier Christophe Tac pour ce matériel-là, Mapex. Donc vous avez la Mapex Saturn 5 ici et des cymbales Meinl. Merci beaucoup de votre soutien. Merci Christophe, merci Mapex, merci Meinl. Merci à Thomas Amilo aussi de le moulin. On ne sait jamais comment on doit le dire, ça. Hein. En fait, on le voit, mais on ne le dit jamais. Je vous embrasse. N'hésitez pas à nous envoyer des messages encore une fois. Et à très bientôt. Salut.